Kijakazi est née à Zanzibar, dans une famille d'esclaves. Elle est la plus fidèle servante du seigneur Malik et de son fils Faoud. Tandis que ceux-ci vivent comme des princes de la révolte des Koudirov, leurs esclaves ne connaissent que brimades et tâches harassantes. Mais sur la plantation, certains jeunes se laissent gagner aux théories révolutionnaires venues de la ville. À travers ce récit naïf aux airs de contes de fées, Adam Shafi Adam relate un événement méconnu de l'histoire contemporaine, la révolution de janvier 1964, qui marqua la rupture brutale avec le sultanat féodal de Zanzibar et l'instauration d'une république populaire. Ce texte est l'un des plus importants de la culture swahili.